Raphaël, est-ce que ça va bien? Bon, premier arrêt pique-nique, comment ça va les gars? Ça caille, il y a un petit vent frais hein. Ouais. Oh, je fais gaffe, mets-toi sur le côté, il y a un camion qui arrive. Combien de temps? 10 minutes 20. Du cours ou ouais, cours. Ouais. Il reste 5 minutes 30. 5 minutes. Il reste 5 minutes. Tiens, il passe le panneau. What ouais, nous, on ah oui, on tourne pas, mais... Ouais. Je dis quoi? À droite? Non, tout droit, tout droit. Non, non, tout droit. On est juste des juges là, mais on est juste de faire le tour. Ok, alors les mecs, le gîte est à droite, mais on doit continuer tout droit, on doit faire le tour pour rentrer dedans. Ah, c'est là le gîte? Ouais, on le voit pas d'ici, tu vois les toits? Tout est à droite, là. Ouais. Va falloir qu'on calcule, c'est tout le monde passe le même nombre de fois. Ouais, demain, on commence, nous. Ouais. Et donc là, tout de suite après le bâtiment, vous prenez à droite. Les gars, tout de suite après le bâtiment, vous allez à droite. On est dans là, on allait beaucoup plus que, à beaucoup plus que 10 en ce moment. Hein? On allait à plus que 10. Ah oui, ouais, vers 12, 13. Moi je pense que je faisais du 14. Ouais, ouais, ça allait beaucoup plus vite. Mais les entraînements font peut-être que... Donc en fait c'est pour comme il va y avoir le tour du Finistère, ça va être la même chose mais en plus petit, en course et en vélo. D'accord. Et donc il y aura plusieurs étapes, on va s'arrêter donc bah, à Plébin, à Château-Neuf du Fou. Ça va être plusieurs étapes comme ça. Et, on est trois binômes en fait. On sera allé avec 15 minutes. 15 minutes de vélo, 15 minutes de course, après c'est un autre groupe qui prend la place de l'autre. Et on fait comme ça jusqu'à la destination. Que pensez-vous du dopage dans le sport? C'est vrai que c'est une tentation hein, pour tout le monde, un jour ou l'autre, se dire si je prends un petit médoc, est-ce que je vais pas aller un peu plus vite, un peu plus loin, est-ce que je vais pas être un peu plus fort? Et puis on se rend compte très rapidement par contre que ben, ça nuit à la santé et que les effets qui se vont voir, mais parfois des années après. Donc tu fais un résumé maintenant, ce qu'il a dit. Le résumé c'est... Le résumé c'est quoi? L'esprit de synthèse, ça c'est bien. Il bouffe hein. Faut tout couper.
Bah mes chaussures, ils sont pleins de boue, hein. Que pensez-vous du dopage dans le sport? Je pense que c'est une mauvaise chose et qu'il faut être encore plus sévère avec tous les tricheurs au niveau du dopage. Pour vous, est-il possible de gagner le Tour de France sans dopage? Moi, je veux croire aux belles choses, donc je pense que oui. Connaissez-vous des produits dopants? Si oui, lesquels? On parlait de l'EPO. Bah, on a vu un film sur Lance Armstrong. Ah oui. C'était le programme. Crank Hopkins. Il a fait je lui dis arrête. Parce que, et je lui dis arrête. Après, elle nous a regardé. Elle a commencé à sauter. Donc, il a eu trop peur. Elle avait le temps de participer aussi. Et puis on voit un troupeau de vaches, et puis moi je pensais qu'ils allaient vers le fond. Et pas un petit troupeau, hein. Il y en avait je sais pas 40 vaches au moins. En fait, non, ils arrivaient vers nous. Et puis j'ai dit, allez, vas-y, recule. Et puis elle dit, bah non, je sais pas reculer. T'avais le remords. Les vaches ont commencé à venir, et puis t'avais de la bave partout sur le camion. Et puis ils se sont dirigés vers la remorque, et puis on avait des manteaux, enfin tout manteau, tout le monde. En fait, on devait te dire, en fait. J'ai cru qu'ils allaient partir avec. Non, elles ont pris les manteaux dans la bouche. Non. Non, j'en peux pas.
Salut les vaches! C'est dommage qu'il n'y avait pas un jeu avec des vaches. Essuie-le! Alors moi, j'étais en train de courir, et là, oh là là, mais je me retourne et il y avait un chien. Il voulait me mordre les mollets. Bien sûr, étant courageux, j'ai même pas fui. J'ai affronté le chien, et là, il m'a sauté dessus. Du coup, bah moi, je suis parti dans le minibus, et je suis ressorti que vers 10 minutes plus tard. J'ai eu de la chance, hein, parce que je suis ressorti sans trop de dégâts. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. Savoir qu'il a besoin d'exercice, de liberté et d'équilibre. Falco! Falco! À manger, là on allait partir et j'ai eu l'idée de me cacher dans la remorque et bah David m'a cherché partout. Pensez-vous que le dopage est inquiétant pour la santé ? C'est inquiétant pour la santé, parce qu'on s'aperçoit que les sportifs qui en ont abusé justement du dopage, ben, ils ne font pas de biaiso. Hein. Que pensez-vous du dopage dans le sport ? Ah, ça dénature le sport. Okay. Ça fausse les résultats. C'est pas logique de chercher des produits dopants pour améliorer la performance, c'est un peu contre nature. Parce que comme disait André, il n'y a plus de valeur. Quand vous avez du dopage, vous n'avez plus la valeur des choses. Et le sport, c'est quoi ? C'est justement pouvoir mesurer la valeur de ce qu'on vaut. Donc si vous prenez des produits dopants, vous n'avez plus la notion d'effort, vous n'avez plus la notion de toutes ces notions de valeur et d'effort, vous n'avez plus. Donc toutes les valeurs du sport disparaissent. Dans quel sport pensez-vous qu'il y a le plus de dopage ? Il y a toujours un qui est montré du doigt, c'est le cyclisme, hein, c'est le vélo. Après, dans les autres sports, en athlétisme, on voit aussi quand même, il y a des cas qui commettent un jour de temps en temps. Je pense que dans le vélo, il y a plus de contrôle, mais Il y a pas de contrôle, il y a moins de contrôle par exemple dans le tennis, et pourtant il y a du dopage aussi dans le tennis. Pour le Tour de Félicitaire, est-ce qu'il y a des contrôles de dopage ? Oui, ces coureurs-là sont contrôlés. De France, c'est Griezmann à gauche, Giroud à droite et un autre. Mais s'il n'y avait pas ces jeux-là, il est en pointe. Il est en pointe, Giroud. En 4-4, ça dépend si on est en 4-4-3 ou en 4-4-2. En 4-4-2, il joue à gauche. Il joue en pointe, Arrêtez les enfants. Il joue en pointe, Giroud. C'est ce que je dis. Non, t'as dit, il joue à droite. C'est pas pareil. Non,
J'ai dit. T'as dit qu'il joue à droite. Il a dit Griezmann à gauche et j'ai. Non, mais attends, mais je l'ai dit. C'est parti, Ange. Numéro 12. Nous encore et l'autre jeune 2. Encore un. Allez, c'est parti, Raph. On se relance avec la question. 11. Le bleu, là, c'est quel numéro? L'autre jeune. L'autre jeune. 9. Et on est déjà à 20 minutes. Le conseil médical se relance. Donc moi j'avais bien aimé le running back parce que on s'entendait tous très bien. On était un bon groupe, on se connaissait tous, on était déjà on était de bons amis. Et puis on a passé de bonnes soirées ensemble, donc je pense que si c'était à refaire, je le referais sans hésiter.